Là, on veut juste enlever une bille qui est juste attachée au niveau de la joue. Et sûrement, il a eu cette bille lorsqu'on a tué sa mère. Moni, as-tu passé? Bravo! C'est vraiment artisanal. Hein. C'est artisanal. Et il y en a plusieurs. Hein. Le comportement des bonobos ressemble au comportement humain. Si vous regardez de près, vous allez voir tout ce que les hommes font, comme des enfants de 4 ans font. C'est presque identique de ce que les bonobos les font. Ici à Lola Bonobo, je suis soigneur animalier. Je n'avais pas prévu dans ma vie. Mais c'était arrivé comme ça et ça m'a donné le goût. Le travail des animaux maintenant est devenu comme mon travail, comme ma vie. Lola Bonobo protège les bonobos parce que si Lola Bonobo n'existait pas, moi je pense que ça allait être une catastrophe parce qu'il y a toujours des chasseurs qui continuent. Mais quand on voit encore le petit bonobo arriver, ça nous fait toujours mal au cœur que vraiment il y a toujours des braconnages qui continuent et qui ne s'est pas encore totalement arrêté. Si on le perd, c'est fini, on le perd. C'est fini, on le perd complètement, comme on est en train de perdre les rhinocéros, des choses comme ça, par nous-mêmes. Bon, c'est pas bien parce que c'est très important. Bonjour tout le monde. Et vous êtes les bienvenus à Lola et à Bonobo, n'est-ce pas? Oui. Ok, soyez à l'aise, ça va? Oui. Mais avant que nous commencions notre programme, je vais vous mettre un petit film d'abord. Et nous avons trouvé l'éducation des enfants important, puisqu'on est dans un pays où les gens sont habitués à manger la viande de brousse. La conservation débute par l'éducation, et notre public cible, c'est les élèves, les enfants. Puisqu'un enfant qui comprend bien, et automatiquement, il va vite sensibiliser ses parents. Notre pays, la RDC, a la chance d'avoir les bonobos et il a aussi la chance d'avoir les okapis qui vivent seulement chez nous. Mais qu'est-ce que nous, les Congolais, nous faisons de ces animaux? Nous préférons les manger. L'attention est là pour la conservation, pour la terre, la planète. La planète va mal, mais la jeunesse est là. Et mon espoir, ça a toujours été la jeunesse, qu'elle soit congolaise ou qu'elle soit aujourd'hui à l'international. Mais au Congo, les enfants adorent venir à Lola et écouter tout ça. C'est un public merveilleux et c'est la relève de demain. C'est très important. Nous avons la chance d'avoir l'animal qu'on appelle bonobo, qui est endémique en RDC. Imaginez en 1980, on avait 100 000 bonobos ici en RDC. Et actuellement, ils ne sont restés que 10 000. Il y a le braconnage qui continue à tout moment, il y a la déforestation, et surtout avec leur faible taux de reproduction. Et si nous ne nous conscientisons pas, nous ne sensibilisons pas les jeunes, on risque d'avoir vraiment la disparition de ces grands singes bonobos qui est congolais 100%. Je me souviens très très bien des paroles d'une scientifique qui est venue me voir. J'avais 6 bonobos et elle m'a dit « Mais tu sais que ce sont des animaux qui grandissent et qui sont
tellement compliqués qu'ils en sont dangereux en captivité. Qu'est-ce que tu vas faire après ? Et je m'entends encore aujourd'hui lui dire, écoute, je ne sais pas encore, mais je sais que je ne les abandonnerai jamais. Je suis ici comme maman de substitution, à part responsable de la nurserie. Je travaille à la nurserie pour aider les orphelins. On prépare d'abord les laits, le matin, avant de sortir les petits. Yaka. Viens. Likwangola. Ici, en semi-liberté, on l'a habitué de les laver, de les donner les bains chaque matin. Ils sont habitués. Pourquoi ces bains? Pour éviter un peu les contaminations des porcs entre nous et eux. Avant que les petits partent dans les enclos, il faut qu'il passe chez moi à la base de notre projet. C'est ça mon rôle. Ici, en pleine guerre, j'avais besoin de gens pour travailler avec moi. Mais tout le monde était malheureux, il n'y avait pas de travail. Bon, moi, je ne voulais pas de salaire, bien sûr, mais mon staff congolais, les gens qui se battaient avec moi, parce que ça a été tout de suite une équipe... J'étais pas seulement un manager, j'étais un leader. Je voulais les entraîner avec moi. Hé maman! Hé maman! Hé! C'est Tantine, hein? C'est Tantine, hein? On dit qu'il te connaît depuis son arrivée. On se connaît, hein? On se connaît, hein? We are family as well. Alors, mais maman reste maman, hein? I'm just hunting for you. And because I'm in charge of welfare, well-being, so I need to know everyone since the first day they come. That's why you see they are very close to me, but not more than the mother, but just because I'm so helpful. That's it. And especially for psychology observation. So that's my concern and my contribution. Allez, va chez maman. Allez. Va chez maman. Okay. Va chez maman. Va chez maman, Nicolette. Oui, bonjour, maman. Ah, so without mother, no way, hein? Eh? C'était un cadeau pour moi de dédier ma vie à sa conservation. Parce que la vie, c'est un tout. C'est pas sauver une espèce. Je pense que sur la Terre, aujourd'hui, on s'en rend compte de plus en plus. C'est une interdépendance sur la Terre. C'est sauver un animal, ce n'est plus suffisant. Il faut lier ça à tout. À la déforestation, à l'expansion démographique, au réchauffement climatique, tout est lié sur Terre. Donc, quand vous mettez un pied dans un combat, vous entrez dans tous les autres. Nous sommes à Ekolo ya Bonobo, en face des groupes de sauvages. Ils sont en nombre de 15. Ils sont relâchés depuis 2009, 14 juin 2009. C'est un groupe déjà habitué, réintégré. Et là, nous avons normalement une structure assez stable et équilibrée. Ça fait vraiment plaisir de voir après 15 ans
un peu dans son statut naturel et dans la liberté. Et c'était une étape très importante, le premier relâché dans 15 000 hectares, partir d'ici, une très longue journée, partir en avion, en pirogue, préparer la forêt, suivre les lignes directrices des guidelines. Je pense que ça a été deux étapes très importantes pour moi. Partir et les rendre à la nature. Et c'était deux moments très liés à l'émotion. Voilà, ça c'est le deuxième groupe. Nous sommes à Totaka, dans l'île de Totaka. Le groupe à quarantaine depuis 2018, faire deux ans. Ce groupe, dans quelques jours, devra rejoindre le premier qu'on a vu à la plage Mombengele. Et ils sont au nombre de 15 aussi. La différence qu'il y a avec les sauvages, c'est qu'eux, par contre, ils ont un suivi régulier. Ils ont à boire pour une bonne hydratation. Et nous n'avons pas cassé complètement le contact, parce que c'est une transition en attendant qu'on puisse les transférer dans la grande réserve de Ekolo ya Bonobo. La grande mission de Claudine André, elle est simple. C'est cette merveille de la nature qui est le bonobo, qui est nous, il y a quelques millions d'années, ne disparaisse pas avant que chaque Congolais ne le connaisse. Il faut qu'il soit fier de ce cadeau de la nature au Congo et qui est 100% congolais. On est celui qui détruit, mais on est celui qui a l'intelligence pour sauver. Et je pense que l'humain, il va se ressaisir, il doit se ressaisir. Congolais.